Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon île Barbie Land, le film. Et oui, Barbie, le film. Et du coup, on va continuer la déco. On a plutôt pas mal avancé. Comme vous pouvez le voir sur ma petite carte, regardez-moi ça, on a très très bien avancé. Il nous reste vraiment pas grand chose finalement à faire encore, mais il nous reste encore des petites choses à faire, donc du coup on va continuer. Les habitants, il y en a qui vont partir, hein, comme les Handro qui ne veut jamais partir. Ramsès, pareil, Philibert, il est sur la sellette, Prune, elle part et tout cela reste. Donc il nous en reste grosso modo 3. Et Vladimir, je sais pas trop. 3-4 quoi. Du coup, vous devez vous demander pourquoi je suis habillée comme ça. Eh ben, vous allez vite comprendre. Regardez-moi ça. Alors vous devez vous dire, mais on est bien en train de faire une île Barbie le film là? Ou c'est comment? Je vois pas de rose, je vois pas du pink, je vois pas du girly. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal parce qu'en fait aujourd'hui on va faire, vous savez, la scène en fait où elle est sur un jet ski avec Ken. Voilà, c'est le portail en fait. On a fait le portail où il passait dans le champ de tulipes, dans le désert. Et là on va faire dans la neige. Et je pense qu'on fera quand même astronaute, mais je pensais pas le faire, mais on va le faire parce que ben j'ai pas trop d'idées en fait. Je vous avoue que je suis un petit peu en panne d'inspiration et du coup je me suis dit ben pourquoi pas faire ça. Donc du coup je pense qu'on va faire ça, on va faire avec la fusée, etc. Je pense que ça fera sympa. En plus j'ai trouvé les motifs et tout ça, je pense que ça peut être cool. Donc du coup aujourd'hui et ben on va faire le petit portail où ils sont sur un jet ski. Je pense que ça peut être très sympa et en même temps, bah voilà, il n'y aura pas que du girly sur mon île parce que je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc du coup, c'est cool aussi d'avoir des choses un petit peu différentes. Et ben, let's go, c'est parti, hein. Allez, on a suffisamment blablaté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre déjà les choses parce que je crois que j'ai pas mis dans mes poches. C'est pas bien. Habituellement, je mets tout dans mes poches avant de commencer la vidéo et je crois que j'avais mis, mais non, c'est pas du tout ça. Du coup, on va ranger parce que j'ai été récupérer plein de choses pour du coup faire la scène avec la lune. Vous verrez ça, j'ai trop plein d'idées. C'est pour ça que je me suis dit, tant pis, je vais le faire. Même si ça n'avait pas spécialement partie voilà, de mon thème, je me suis dit, vas-y, je le fais. Je le fais. Je voulais pas vraiment le faire, mais je vais le faire. Du coup, qu'est-ce que je voulais prendre? On va prendre des volcans, parce que ça, il y en aura besoin. On va prendre des balancelles. Alors, vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va prendre donc des volcans. J'ai dit... qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Je réfléchis. Bah déjà, on va prendre ça. Je pense que ça peut le faire. Ça, je prends pas. J'en aurais pas l'utilité. En tout cas, j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Oh, ça aurait pu être sympa pour faire le jet ski. Le jet ski, je vous avoue que j'ai pas d'idée comment le faire. C'est le seul truc... Oh! Ça ressemble un peu, ça, non? Ouais, je crois que ça ressemble un peu. Je vais le prendre. On va prendre ça et on va prendre les volcans. Je sais pas si je prends les statues. Est-ce que les statues, vous pensez que ça pourrait le faire? On va prendre des statues. J'en prends juste quelques-unes. Et des... Ah, j'ai ça aussi. En les tournant, ça peut faire des rochers. J'en prends quelques-unes. Et je voulais des poteaux. Ils sont où les poteaux? Je les ai pas vus. Déjà, il faut que je remonte. Bah, je suis bigleux. Ah, ils sont là. Je me suis dit, je suis bigleux, c'est comment là? Ok, eh ben écoutez, moi je pense qu'on est plutôt pas mal du tout. Donc du coup, eh ben c'est parti, on va attaquer la décoration. J'avais vraiment hâte de commencer, j'espère que ça va rendre bien. Alors déjà, ici, on va mettre, vous allez voir... Elles sont où?
Attendez. J'ai dû les passer sans le vouloir. Balancelle. On va mettre une balancelle comme ça. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Ben vous allez voir. Vous allez voir. J'essaye de faire au plus ressemblant, bien évidemment, c'est toujours l'objectif hein, dans ce genre de décoration. Hein. J'ai vraiment envie que ça ressemble aux scènes du film. Bien évidemment, je vous ferai popper l'image pour que vous ayez l'image, parce que je sais très bien que vous n'irez pas tous voir le film Barbie, donc au moins ça vous permettra quand même de voir ce que je fais comme déco. Et de voir si ça y ressemble aussi, mais j'aimerais bien que ça y ressemble. On va le faire un petit peu en décalé. Peut-être pas autant. Voilà, un petit peu en décalé. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus, donc peut-être qu'il y en a certains qui l'ont vue. C'est une petite déco que j'avais sortie pour les fêtes de Noël, pour donner des idées pour faire du coup une île un peu hivernale. Et donc j'avais sorti cette déco-là. Donc il y en a certains qui auront la ref, je pense. Ils vont se dire « Ah, mais oui, elle nous a déjà fait ça !» Et du coup, une dernière ici. Ouais, voilà, elle est là. Ça fait sympa avec les sapins derrière. Hein. J'ai déjà tout mis parce que je me suis dit comme ça, au moins, on a déjà les petites choses de mise. Et puis comme ça, on a juste à faire de la déco. Parce que je me suis dit, ça va vous saouler de me voir faire le motif et tout ça. Et je pense que s'il y a de la place, je pourrais peut-être mettre un volcan. Si, peut-être il y a de la place quand même, non? Ça me paraît... Ah, vraiment, il n'y a pas de place. Bah, attendez. Si je me place mieux... Bon, bah, il n'y a pas de place. Ah, je suis déçue! Je pense peut-être mettre des statues. Ouais, on va mettre des statues pour faire un peu l'effet montagne, on va voir. Je pense que ça peut quand même le faire. Si je mets une statue comme ça... qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ah, peut-être les autres. C'est celle-là. Oh, si, ça passe là quand même. Là, je me fais arnaquer, hein. Eh, où? Tourne-toi. Comme ça, ça peut le faire ou pas? Je teste, hein. Franchement, là, je sais pas ce que je fais, mais je... Voilà. J'essaye des choses. Peut-être que je vais juste mettre un sapin et puis c'est tout, mais bon, je voulais juste tester. Non, c'est moche. Non, c'est moche. J'aime pas du tout. Donc pour ceux qui ont reconnu, hein, j'ai fait en fait la remontée, là vous savez quand vous montez avec vos skis. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. On va mettre un sapin, j'espère que j'aurai de la place. C'est vrai que j'ai pas fait très spacieux, sinon tant pis j'agrandirai. Hein. Sinon je serai obligée d'agrandir. Hein. Ouais, je vais être obligée d'agrandir je crois. Hein. Parce que sinon je vais rien pouvoir mettre, ça va être dégueulasse, ça va pas être beau. Hein. Ici, on va mettre des volcans, hein, parce qu'il y a des volcans devant. Hein. Non, mais je laisse jamais assez de place, ou c'est comment? Je vous assure, vraiment. Je le fais pas exprès, hein. Depuis que j'ai arrêté de jouer à Animal Crossing, je fais que des bêtises comme ça. Ouais, peut-être comme ça, c'est assez... Oh, quoique de ce côté-là, j'ai bien envie d'agrandir quand même, hein. Ouais, donc je vais peut-être pas... attendez, on va pas se précipiter. Je vous avoue que pour cette déco-là, je suis un peu perdue. Mais on va faire quelque chose de sympa, vous allez voir, ça va ressembler. De toute façon, on a le temps, on a le temps. Est-ce que j'en remettrai pas? Je sais pas. En même temps, je me dis... Du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai rajouté un volcan en haut. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je pense que je vais mettre des cyprès aussi, des petits cyprès en pot. Je pense que ça peut être sympa. Caché avec des buissons, je pense que ça peut le faire. Là, malheureusement, je crois que j'aurais pas de place d'en mettre un autre de volcan. Et pourtant, ça rendrait méga bien. Donc, je sais pas trop comment faire.
il n'y a pas vraiment le résultat que je veux. Donc je suis, ah si c'est bon. Ah si ça le fait je pense. Ça le fait. Ici, sinon peut-être, ah attendez. Au lieu de vouloir monter une falaise, je vais plutôt la casser et je vais essayer de faire passer un volcan. Je pense que ça sera la meilleure solution. On va essayer de faire comme ça. Parce que sinon, j'ai peur que le résultat, il soit pas incroyable. Ça, je pense que ça va pas être beau. Ouais, malheureusement. Donc, on va voir. Après, il faut vraiment que ça ressemble à l'image. Pour l'instant, je trouve que ça ressemble. On y est pas mal. On y est pas mal. Je sais pas si j'aurai de la place, on va voir. C'est dommage qu'on n'a pas vraiment de vraies montagnes dans Animal Crossing, quoi. Ça fait pas... Ouais. C'est pas incroyable, quoi. C'est, on fait vraiment avec ce qu'on peut, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Et voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal, quand même. On a, ouais, si on a du volcan un peu partout, c'est vraiment pas mal. Oh, Ramsès réfléchit, oui. Oh là là, il veut partir. Eh ben, pars mon coco, je suis trop contente. Ah yes. En plus, j'arrivais pas à le faire partir, je suis trop contente. Du coup, on a réussi à faire partir un habitant qui dit... Habitant qui part dit... Chasse à l'habitant. Je suis trop contente. Donc ça, c'est parfait. Il faut que je regarde si j'ai des cyprès maintenant. C'est ça le problème. Et du coup, on va mettre l'espèce de navette spatiale là. Je pense que ça ressemble quand même pas mal. C'est petit, hein. C'est vraiment petit. Est-ce que ça ressemble... Je sais pas, ça ressemble en vrai, mais c'est dommage que c'est peu de chaud comme ça. Oh ouais, est-ce que j'ai le truc asseoir, la mimique asseoir, pour voir ce que ça donne. Oh, je sais pas. Je suis sceptique, on va dire. Je suis assez sceptique là, hein. Pour le coup. Ça ressemble sur le devant. Si, en vrai, ça ressemble. Non, en vrai, ça ressemble. Bon. Est-ce qu'on va comprendre que c'est un jet ski Enfin, pas un jet ski, une motoneige Je suis pas sûre. Bon, bah écoutez. Hein. Ici, le motif me dérange un peu. J'aimerais que ce soit un peu plus blanc. Donc, on va plutôt faire comme ça. Hein. Comme ça. Et plutôt... hop. Non, mais qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est pas ça du tout, hein. Je fais n'importe quoi, hein. Comme ça, ici. Comme ça. Et ici. Ah, mince. Oh, en vrai, c'était pas si mal comment j'avais fait, mince. Ah non, non, non. Eh, mais mon... Je suis encore avec mon Joy-Con de la dernière fois. Eh, mais je vous assure, je pète un câble avec ce Joy-Con. Il est trop nul. Il est trop, trop nul. Voyez à quoi j'en suis réduite, quoi. À travailler avec un Joy-Con, mais nul. Nul. Hop. Parce que l'autre que j'avais, j'ai essayé, en fait, tout à l'heure, et il ne voulait pas du tout se connecter. Et donc, j'étais obligée de prendre celui-là. Voilà la petite histoire du Joy-Con. Ouais, si, c'est pas mal quand même. Je vous ferai popper, bien évidemment, l'image. Comme ça, vous aurez un petit aperçu. Mais je pense que vous allez dire que ça ressemble quand même. Avec, bien évidemment, ce qu'on peut faire, comme je le dis toujours dans Animal Crossing. Hein, parce que, bah, on n'a pas tout ce qu'il faut. Hein. Donc, bon... On essaye de faire ce qu'on peut, mais ça peut pas être parfait. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Après, je pense que il y aura des coins, ça ressemblera plus que d'autres. Parce que j'ai trouvé plus de choses qui me permettent de que ça ressemble plus. Avec les petites arbres comme ça, je trouve ça mignon quand même. Je trouve ça mignonné. Peut-être mettre des buissons pour apporter quelque chose. Et en haut, des cyprès. Faut que je vois si j'ai des cyprès. Et je pense que on pourra pas faire plus. Et après, de toute façon, ce que je ferai, je mettrai en hiver pour vous montrer le résultat. Et vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est pas mal quand même. Je vous mettrai l'image aussi enfin pour vous montrer comment c'est sur l'image et ce que moi j'ai fait. Comme je fais à chaque fois en fait. Hein. Ah ça peut-être, non? Ça peut peut-être le faire. Parce qu'en fait, ce qui me dérange un peu quand même, je vous cache pas, c'est que la falaise, on la voit et c'est pas très très beau quoi. C'est quoi que je voulais? Ah oui, des cyprès. Il faut que je regarde si j'en ai. Prendre. Je sais pas si j'en ai, mais sinon j'en commanderai et de toute façon, je les rajouterai et je vous montrerai le résultat à la fin. Je les mettrai et je vous montrerai parce que je suis pas sûre que j'en ai là. Ouais, j'ai peut-être pas ça. Oh! En blanc comme ça, ça peut le faire. Non, j'en ai pas. C'est bien ce qui me semblait. À moins que ce soit plus bas, ouais, non, j'en aurais pas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux au moins en commander? Pas sûr. Voilà, il n'y en a pas, déjà, hop. Oh, quoique, attendez. Eh, ça, je prends, parce que ça peut faire les lunettes sur la motoneige. Donc ça, je prends, ouais, ça peut vraiment le faire. Parce que Ken, en fait, il a les lunettes hein, sur son nez. Et du coup, on va voir ici si je peux les commander. Sinon, je serais obligée de les ramener de mon ancienne île. Oh là là, la galère de ouf. Mais c'est pas grave, je le ferai et je vous montrerai du coup le résultat final à la fin, comme je fais d'habitude. Ouais, il n'y en a pas. Ouais, je pensais bien. Ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bah écoutez c'est pas grave, on va déjà placer ce que j'ai à placer, je les mettrai et je vous montrerai le résultat à la fin. Je pense qu'on va mettre des buissons parce que là c'est pas assez habillé, ça me dérange. J'aime bien moi quand c'est pas chargé mais quand même quoi, qu'il y ait de la déco quoi. Et là je trouve que non. Ça manque cruellement de choses. Tant pis, c'est pas comme ça sur l'image. Je sais qu'en général, j'essaye vraiment de faire comme sur l'image. Mais là, le problème, c'est que si je fais vraiment comme sur l'image, ben, ça va pas être beau. Ça va... Ouais, il va manquer des choses et ça va pas me plaire. Je veux juste tenter ici avec l'espèce de cloison, la végétale. On va voir ce que ça donne, mais... Ça me dérange qu'on voit la falaise comme ça. Je trouve pas ça très beau. Esthétiquement, je trouve ça moche. Hop, on va l'enlever directement. Et en plus, il y aura de la neige dessus. Du coup, je pense que ça peut être quand même plus beau. Ouais. Faut voir enneigé, quoi. Faut imaginer, quoi. Enneigé. Mais je pense que, ouais. C'est peut-être ce qu'il fallait, quand même. Parce que... Je trouve que, je sais pas, c'est pas beau quoi. C'est vraiment pas beau. Donc là, si je mets les volcans, je pense que ça sera pas tout à fait comme sur l'image, mais écoutez, ça sera un peu plus beau déjà, donc... Moi, ça me va. Et après, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous montrerai, bien évidemment... En hiver, comme ça, on voit mieux aussi commencer avec la neige et tout ça. Ça fera beaucoup plus beau. Et on va passer comme ça. On va en mettre là aussi. Pour apporter vraiment quelque chose. Sinon, ça va être moche. Peut-être mettre un frêne en haut. Hein. En haut, je trouve ça...
Je trouve ça vraiment très vide. Ça me dérange énormément. Que c'est pas habillé comme ça. J'ai hâte de faire aussi avec vous, du coup, le petit coin spatial. Là, ça va être très sympa. Ouais, c'est beaucoup mieux, je pense. Beaucoup mieux. Et peut-être en mettre... Donc là, je peux peut-être mettre... Genre un buisson. Voilà. Ici, peut-être mettre plutôt, ben du coup, un frêne. Non mais... ça doit passer quand même là, non? Ouais, j'ai voulu faire ma feignante, mais non. Je vais pas pouvoir y couper, je suis obligée de reboucher. Je vais pas pouvoir y couper. Ça m'embête à chaque fois de devoir faire tout, mais bon. Je vais pas pouvoir faire autrement. Et on va mettre le frêne ici. Ouais, je pense que ça peut être vraiment sympa comme ça. Ici, peut-être ajouter quand même des petits buissons pour apporter quelque chose de supplémentaire. Là aussi. On pourra passer comme ça, hein, sur le côté. Hein. Du coup, ça va. Montrez-moi. Hop. Oh oui. Oh oui. Beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau. Avec les petits frênes là, je pense que je vais en rajouter d'autres. Je vais en commander et j'en rajouterai et je vous montrerai. Ouais, on va... Tant pis, on va faire un peu à notre sauce. Je pourrais pas faire exactement comme sur l'image. Ça m'embête un peu puisque j'aime bien faire exactement, vraiment très précisément comme c'est. Mais là, non, ça me plaisait pas du tout, c'était moche quoi. Donc, je pouvais pas laisser. Comme ça, il fallait que j'embellisse un peu le truc. Tant pis, mais vous verrez, ce sera pareil, mais en version un peu améliorée, quoi. Voilà, j'en ai repris d'autres, comme ça je les mettrai. Et avec les petits buissons qui vont pousser, ouais, ça va être top. Par contre, je suis en train de penser... Ah, peut-être j'en mettrai un là aussi de frêne. Ou non, non. Ici, on va peut-être ajouter un buisson quand même. Ça fait très vide, ça... Ouais, ça me gêne énormément. Il faut que ce soit, pour moi, un peu plus rempli, sinon ça va pas, quoi. Et je pense que ça va être beau, hein. Je pense que ça va être très beau. Donc je vous ferai popper l'image, je vous montrerai ce que moi j'ai fait, comment c'est sur l'image. Si je trouve une autre idée aussi pour le jet ski, eh ben on fera aussi, bien évidemment je mettrai autre chose. J'hésite avec la luge du Père Noël, mais elle est rouge, donc c'est bizarre, ça va faire bizarre. Je sais pas, faut que je réfléchisse. En tout cas, voilà déjà ce que ça donne. On n'est pas si mal, je trouve. Bien évidemment, on mettra en hiver. Je vais rajouter les petites choses et bien évidemment, je vous reprendrai et je vous montrerai tout ça. Mais je pense qu'on n'est pas si mal. Mais que vois-je? Non, ne serait pas notre ami Alejandro qui réfléchit? Oh my god, il part, oui! Je suis trop contente. Eh, lui, j'arrivais pas à le faire partir, c'était un truc de dingue. Ah là, et c'est là que je fais l'erreur, je mets « reste ici ». Non, faut vraiment pas hésiter. Faut vraiment, vraiment pas hésiter. Allez, bye. Bye bye. Franchement, j'en pouvais plus de lui. Je n'en pouvais plus, je suis trop contente. Du coup, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Voilà, avec de la neige. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas si mal que ça. Avec les petits buissons comme ça, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, des petits cyprès. Je trouve que ça rend quand même très bien. Bien évidemment, j'ai rajouté des petits ajouts.
Sur l'image, c'est pas comme ça que je vous ferai pop. Mais sinon, ça faisait beaucoup, beaucoup trop vide et j'aimais pas du tout. Donc là, je trouve qu'on est plutôt pas si mal. Ça ressemble à l'image. Bon, j'ai rajouté des petits trucs pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Mais franchement, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Mais voilà, moi j'aime bien. De toute façon, je prendrai des petits clichés comme je fais habituellement avec Kenou. Comme ça, vous voyez bien l'image et ce que moi j'ai reproduit. Et je pense que vous allez vous dire, c'est pas si mal que ça finalement. En tout cas, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que comme d'habitude, elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à lâcher son plus beau like, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle décoration sur mon île Barbie le film. Et bien évidemment, à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !Dreamhouse, Barbie Benz, Barbie World, Barbie White, Picket Fence, Barbie Pretty Seas, Barbie Lynch.